on a vu un peu ces trois types de lignes. Donc une ligne, on peut dire que c'est une trace. Quand un escargot il se promène, eh ben, on dit il laisse une trace. Donc en fait, la ligne, c'est juste la trace que le stylo laisse en passant. Et là, on peut voir la quantité d'encre qui sort, ce qui est constante, immense. La trace est parfaite et toujours égale. Après, on peut aussi avoir, par exemple, s'il y a une zone qui on a envie de mettre quelque chose d'un petit peu plus, peut-être plus sombre, essayer de mettre peut-être une texture de points pour créer comme peut-être pas du volume, mais peut-être une impression de volume. Et même une espèce de semi-coloriage, on peut avoir des textures qui sont plus ou moins. On peut avoir même des lignes qui peuvent faire des textures des fois. Alors, ça, puis après, on peut faire moins de lignes, comme ça, peut-être des lignes différentes. Et c'est vrai qu'il y a la notion d'empreinte. Vraiment, chaque fois que le stylo touche la feuille, on pourrait dire que c'est vraiment c'est une empreinte, hein, finalement. Une empreinte qui laisse une trace et qui permet de faire des textures. Tout ça uniquement avec une ligne. On peut aussi, comme avant avec le pinceau, essayer d'obtenir des volumes comme ça. On peut même avoir, des fois, ça peut presque exprimer des presque de l'eau de nouveau ou des arbres ou un mouvement. Ce qui est intéressant, c'est que parfois, un pinceau, il peut paraître déchargé. Tout d'un coup, peut-être en appuyant plus fort, il y a une partie du pinceau qui contient encore de l'encre. Et du coup, tout n'est pas perdu. C'est pas parce qu'un pinceau est un peu fatigué que des fois on est fatigué, mais après on se repose. Et puis même quand on est fatigué, on peut encore faire des choses. Mais hop, hop. L'art, c'est ce qui rend la vie plus belle que l'art.